Ça pour moi adresser la population haïtienne là. Et à ce soir là on a recevoir un groupe d'investisseurs et nommément monsieur Franck Ranieri qui c'est président directeur général groupe Punta Cana. Punta Cana c'est un développement touristique qui a gagné pile succès en République dominicaine. Monsieur Ranieri vient faire 2 jours avec nous. Il est venu avec l'équipe technique et pour venir analyser l'opportunité pour voir s'il a fait un investissement en Haïti. Nous recevons aujourd'hui avec tout honneur et respect que l'il mérite. Et M. Ranieri recevoir par le Premier ministre de la République. Il recevoir une nomination officielle que le président Martelly fait pour que l'I capable servir le conseil présidentiel pour le développement économique et l'investissement. Monsieur Ranieri très intéressé pour lui faire un investissement majeur dans le sud de Haïti pour le capable de développer un projet de destination touristique. Projet de destination touristique, c'est un projet intégré. C'est un projet d'envergure qui comprend construction d'infrastructures, tant que non seulement hôtels, mais et routes, aéroports, usines de traitement d'eau, etc. C'est un projet majeur et M. Ranieri était inspiré justement, l'étape fait développement Punta Cana
était inspiré par l'industrie touristique haïtienne là. Et si nous songeons, il y a 40 ans de ça, et Haïti a plus de chambres d'hôtel que la République dominicaine. Kounia, M. Ranieri, t'as intéressé à faire des investissements majeurs dans le secteur hôtelier et dans le secteur touristique en haïtien. C'est pour ça qu'on a recevoir là, en tant que directeur général CFI, Centre de facilitation des investissements. Nous accueillons et nous encadrons pendant ces jours-là pour nous capables d'orienter, pour nous capables de prendre une meilleure décision, pour nous capables de faire un investissement éclairé en Haïti. Nous faisons une séance de travail déjà avec le secteur hôtelier et nommément membres de l'association touristique haïtienne et ainsi que certains opérateurs d'hôtels qui évoluent en Haïti pour être capables d'échanger avec le groupe Punta Cana, pour être capables de voir qui sont capables de collaborer, pour être capables de développer Haïti, le sud d'Haïti, en un grand projet touristique. Cap bien là-dedans, aéroport, hôtel, l'école, route. C'est un grand jour pour Haïti et nous espérons que l'investissement sera fait en tant que pas trop loin. Et nous, là, en tant que directeur CFI, pour nous encadrer, pour nous accompagner, investisseurs, pour être capable de faire un investissement. Merci.